Château de Menton. Qui appartient à Bernard de Menton, donc le descendant de Saint Bernard, qui a laissé des chiens, qui a oublié ses chiens au col du Grand Saint Bernard en Suisse. Les dents de l'enfant. Alors les dents de l'enfant, ça doit être celle du fond, non? Oui, je pense. Le Trello, l'Arcalo, le sommet des Bauges, ou les sommets des Bauges. On va partir donc à droite du massif qui est là, on va passer derrière, on va remonter pour attaquer les dents de l'enfant par le pilier sud qui est celui-ci. Et on va se faire les crêtes tout le long quasiment, enfin on sait pas trop, on verra. La petite buvette pour ceux qui ont envie de boire un coup. Après l'effort seulement. Oh, il y a un câble derrière là-bas. La tournette. Les lozières, au fond les aiguilles d'Arves. Les Bauges avec derrière le Chablais, le Beldonne. Derrière, ça doit être les sommets de la Chartreuse. Le Roc des Bœufs et ses belles voies de calcaire. Derrière, c'est le Jura, le Bugey. Un petit alpage fort sympathique. On a envie de planter sa tente. Les dents de l'enfant qui sont au fond. Et nous arrivons sur la vallée de Thône, le mont Lachat, le Bargy et la pointe percée des Arvis. Bon, la marche d'approche. Eh ben, c'est quand même quelque chose, hein. On croit que c'est tout petit, mais il y a une sacrée marche d'approche. Ouais, ils avaient dit 2 heures. Bah ouais, enfin. Ah, ça va, là. Les dents de l'enfant, donc on attaque par la gauche, pilier sud. On se fait les dents et on voit en bas le sans doute le sentier de retour. Oh, oui, c'est certainement, parce que... Ça ressemble. Il est bien marqué sur la carte, le sentier. Dents de l'enfant baigne dans le lac d'Annecy.
remontée facile. C'est bon devant ? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est moyen ? Très bien. Au pied de la première dent. Non, dent du sud. Petite molaire pour un petit sentier qui a l'air marqué. Ça reste une sente. Blanc là-bas. Les dents qu'on vient de faire. Donc là on arrive au trou qui doit accéder, qui nous permet d'accéder au sommet d'ailleurs, au sommet principal. Et voilà, on va passer dans le trou puis on devrait arriver au sommet. C'est l'esprit de contradiction. Hein? C'est l'esprit de contradiction. Ah ben là, parce que ça passait mieux. Parce que t'as des prises pour les pieds de ce côté-là. Et on arrive. Ah, on arrive au sommet. Oui. On n'arrive pas à... On n'est pas au bar encore. Hein? Ah, c'est joli. Hein? C'est beau.